Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce calendrier de l'Avent qui nous permet de découvrir chaque jour de décembre un nouveau protagoniste francophone installé à Édimbourg et dans sa région. Et aujourd'hui, on rencontre Tania Tchaïka qui est basée à Lisse, à Édimbourg. Salut Tania. Bonjour. Alors, tu viens d'où à l'origine du coup? Je viens du côté de Paris, région parisienne, du côté des Yvelines. Ah d'accord, c'est quel ERR ça? Oh, il n'y a pas de RER. Oh, il n'y a pas de RER, Non, il n'y a pas de RER. Ici, il y a un RER B, je crois, dans la ville d'à côté de ma ville d'origine. D'accord. Le train Ok. pour Montparnasse. D'accord. Ah bah oui, d'accord. Effectivement, plus facile comme ça. Et alors du coup, ça fait combien de temps que tu habites en Écosse? Ok, ça fait depuis 91. Donc ça, l'année prochaine, ça va faire 30 ans, ce qui fait un peu bizarre. Ça passe tellement vite. Mais bon, voilà. Je suis arrivée en 91 après avoir fait mon DOG, parce qu'à l'époque, c'était un DOG, les 2 premières années de fac. Voilà. C'était un doc de quoi, d'anglais? C'était un DOG de. Il y avait un peu de tout, des linguistiques, littérature, psychologie, art, un peu tout comme ça, quoi. Et donc c'était très général quoi finalement Oui, pour le coup oui, parce qu'on dit oui. le DUG c'était le diplôme d'études Oui, universitaires générales voilà. mais habituellement c'était quand même restreint sur une matière donc intéressant. Oui, Et voilà. alors comment ça se fait que tu sois arrivé en Écosse du coup au Ah, bout des en fait, 2 ans de fac hein. le truc classique, je crois, je suis venue en vacances avec ma meilleure amie. On a passé 1 mois à faire le tour de l'Écosse, surtout les Highlands. Et à chaque fois, on est revenu à Édimbourg. Et on a tellement aimé qu'on est revenu. Elle est revenue au pair et moi, je suis revenue au pair aussi quelques mois après, en fait, après elle. Et voilà, et depuis, je suis restée. C'est vraiment le coup classique, Oui, hein. trois gros. Je crois Ouais. que j'ai rencontré plein de monde, effectivement, c'est à peu près ce qui leur est arrivé. Et du coup, alors, tu disais que tu avais été au pair au départ, tu as toujours habité sur Édimbourg ou tu as un peu bourlingué autour de l'Écosse en attendant de te fixer? En fait, pas trop, hein. La famille était du côté de Stirling à Dola. Tout petit village, Dola, c'était adorable. Et on a très vite déménagé à Édimbourg. Donc, j'ai passé quelques mois à Dola, mais sinon, je suis restée à Édimbourg, en fait. Ah Voilà. oui, Ouais. donc vraiment fille d'Édimbourg, d'Édimbourg, Elle a vraiment manqué. C'est une ville tellement, tellement facile à vivre, en fait. Ouais. Et du coup, alors, t'es arrivée comme au pair, mais t'as eu tout un parcours, parce que nous, quand on s'est rencontrés au départ, tu étais, et tu l'es toujours, marionnettiste, Oui. faisant des spectacles, des créations, avec ton célèbre personnage lapin, Ah oui, qui enchante. lapin. Les petits et grands, quoi, et du coup, qu'est-ce que tu as fait entre les deux? Enfin, Oh, et qu'est-ce que tu fais maintenant, du coup? ben j'ai passé à peu près 8 ans à travailler dans les nurseries. Je suis devenue qualifiée, ce qu'ils appellent maintenant Early Years Practitioner. Donc, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Et en fait, l'idée de créer des marionnettes pour apprendre le français m'est venue quand je travaillais dans les nurseries. Et donc voilà, j'ai quitté les nurseries. J'ai commencé à fabriquer mes marionnettes avec l'aide de mon frère. Mon frère les dessine et moi, je les fais. Et donc, c'est là que j'ai créé Le Petit Monde vers 2008. Avec lapin, oiseau et ver. Et ça m'a tellement amusée de les voir, ces petites marionnettes rigolotes, que j'ai continué en fait. J'ai fait plusieurs spectacles avec les mêmes personnages, bilingues. Donc j'écris les histoires et je suis sur scène aussi, je fais la manipulation. Voilà. Donc,
J'ai continué pendant pas mal de temps à faire ces spectacles, des ateliers aussi, dans les écoles, dans les festivals. Et en 2017, j'ai eu du funding de Creative Scotland pour faire une production un peu plus sophistiquée avec Lapin et ses amis. Et donc, ça a été The Wonderful World of Lapin qui a tourné pas mal avec Puppet Animation Festival pendant plusieurs années. C'était vraiment très, très sympa. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses. C'est bien, quoi. Voilà, c'est l'histoire de Lapin. T'aurais quelque part les petits personnages par hasard qu'on puisse. Oh, J'ai pas pensé à te demander avant, donc je te prends un peu oh. en traître ici, Oui, je t'ai fait mais alors, partie. si t'as pas les Oui. personnages, je sais, parce que je sais, que t'as écrit un livre. Ah Alors, oui, est-ce que t'aurais le livre j'ai une à nous copie du montrer livre. du coup? Donc, j'ai une Voilà. copie du livre, mais j'ai aussi des cartes postales, je peux aller les chercher. Ah bah écoute, non, on a le livre, c'est mieux, Voilà, il y attends. a le livre. Donc, c'est Lapin et le lapin marionnette, il est derrière. Je ne sais pas si on le voit bien là. Voilà, effectivement, il a l'air Voilà. très affectueux et un peu coquin. Oui, et il sait ce qu'il veut, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Oui, voilà, il est basé sur mon expérience de travailler avec les enfants, de m'amuser avec les enfants. Enfin, c'est adorable. Et comment t'es venue l'idée de faire le livre? C'était une sorte de suite naturelle de ton spectacle? Oui, en fait, on voulait. Ah, mais Lapin plaît beaucoup aux enfants. Quand ils le voient sur scène, on a eu une petite fille une fois qui ne pouvait pas arrêter de pleurer quand ça a été la fin du spectacle. Elle était tellement chagrinée. Je ne savais plus quoi faire à sa mère non plus. On a beaucoup d'enfants qui sont très attachés à Lapin. Et on s'est dit ben, qu'on pouvait faire le moyen d'apporter Lapin dans les maisons des enfants, ben, c'est d'écrire un livre. Et voilà, donc c'est la continuation du livre, en fait, des spectacles. C'est encore possible d'acheter ce livre Oui, donc pour l'acheter, ben, le meilleur moyen, c'est de me contacter directement. Parce qu'en fait, on a imprimé en tout 500 exemplaires. Donc c'est très, très, très minimal. Il n'y en a pas beaucoup, donc 500. On en a encore qui nous reste. On a fait une campagne de crowdfunding pour pouvoir imprimer ces 500 exemplaires. Donc oui, c'est moi qui les vends et on cherche un éditeur pour publier le livre et par la suite faire d'autres histoires aussi Oui, avec. parce que j'allais te poser la question. C'est vrai que c'est un personnage très emblématique. Hein, on voit avec ses formes affirmées, etc. Et on peut très bien imaginer toute une collection de ses aventures finalement. Et alors, donc c'est un petit lapin qui parle anglais, qui parle français. Et il ne parle que français. Et c'est dans les spectacles d'ailleurs. Donc, spectacles et livres, il ne parle que français. Mais la façon dont j'écris et dont j'écris les scripts aussi, c'est accessible à tous les enfants qui ne parlent pas français. Donc, ça, c'est très, très important pour moi et les parents aussi. C'est accessible à tout le monde qui parle anglais. Donc, voilà. Oui, tous les personnages ne parlent que français, mais c'est très simple et c'est facile à comprendre. Voilà. D'accord. Et du coup, alors mon petit doigt m'a dit que tu avais peut-être en tête de créer des cousins de lapins, pourquoi pas, parlant d'autres langues, Oui. espagnol, italien, russe, pourquoi pas, Pourquoi pas, allemand. oui. Donc ce serait une famille de lapins qui. Évidemment, il serait fait par le même illustrateur, donc il y aurait la continuité du style, mais de différents pays et donc parlant de différentes langues. Ce serait super. Oui, j'adore faire ça. On a Ouais. aussi des idées pour des paquets d'activités créatives pour les enseignants, pour les classes, pour les familles aussi. Donc il y aurait plein de choses à faire. Donc on a plein d'idées, il nous faut juste un éditeur.
C'est très intéressant, ces idées d'activité, etc. Et c'est quelque chose que tu es en train de développer activement, je crois, en ce moment. Oui, par le biais de mes études. Oui, donc là, je suis en dernière année de master ma recherche se base sur l'enseignement des langues par le biais ludique, en fait, de façon créative et ludique, que ce soit, surtout dans les écoles. Je trouve que c'est vraiment très intéressant et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu vas nous concocter à la fin Oui. de tout ça, quoi. Oui. C'est beaucoup de travail, évidemment, Oui. j'imagine, mais ça en vaudra la peine. Oui. Et du coup, alors, as-tu de nouveaux spectacles prévus pour l'avenir? Bon, l'avenir étant incertain, comme on le sait, mais bon. Oui, évidemment. Quand ce sera possible, je visiterai les écoles encore avec le livre de lapins et des petits spectacles qui introduisent les enfants au personnage. Donc, parce que j'aime bien l'idée de voir que ces personnages existent vraiment pour les enfants. Donc, ouais, des petits spectacles avec le livre. Mais à part ça, je suis en train de faire une demande de bourse de Creative Scotland pour créer un nouveau spectacle bilingue basé sur la fable du corbeau et du renard. Ah, génial, Oui. d'accord. Donc, il y aura des marionnettes aussi, mais ça va être très différent. Ce serait le décor serait fait par un groupe de communauté. Donc, ce n'est pas moi qui le fais toute seule ou d'autres artistes. Ce serait une collaboration avec un petit groupe de familles, en fait. Ouais, je trouve ça génial comme Donc, idée, effectivement. voilà. Donc, ça, Bon, on c'est. va croiser les doigts pour que Ouais. cette bourse te soit attribuée. Et Merci. effectivement, ça semble être un projet super intéressant. Voilà. Écoute, Tania, en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de parler avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et oui, ben oui. Et je dois dire, effectivement, on est toutes les deux bien occupées. Puis, avec cette période un peu particulière, on va dire. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur pour 2021 quand il viendra. Merci. Merci aussi. Joyeux anniversaire, 30e anniversaire d'Écosse, hein. Moi, j'ai fait Je vais ça célébrer. l'année dernière. Ah oui, moi ça va être en juin. Ah, je vais célébrer, je vais faire quelque chose. Je vais manger moitié français, moitié écossais. Un Ouh, pas repas. mal. Ouh. La vieille alliance sur une assiette. Bon, Oui, mais c'est. dans ce cas, d'avance, bon appétit en tout cas. Merci. Gros bisous, à bientôt. Salut. Au revoir et bon Noël. Ouais, joyeux Noël aussi.